Lutte, je frappais Gaza. Je n'en suis pas fier, mais ça fait partie de ma vie. Si moi je veux attaquer ton physique, tu ne vas pas t'en remettre. Parce que je vais très mal t'insulter. Et je ne veux pas de ça. Parce que je peux me lever comme ça et puis dire que tu ressembles à Pneu Michelin. Tu vois Pneu Michelin? C'est une marque de pneu en Côte d'Ivoire ici. C'est des pneus col-col comme ça, ils ont pris pour faire leur égérie. Je peux dire que tu ressembles à ça. Je peux dire que quand je te vois là, je pense à Fabochet, je peux dire ça. Et tu m'as déjà entendu te dire ça. Parce que je n'aime pas blesser mon semblable. On peut se taquiner, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut qu'on respecte chacun. Moi, je ne te connaissais pas, c'est ta maman, je connais. J'ai connu ta maman parce que elle m'a dit qu'elle m'appréciait bien, tout ça. On a eu à faire une vidéo et je l'ai invitée sur mon spectacle en 2019. Elle a été avec moi dans les préparatifs du spectacle, elle devait même jouer. Pardon? Et à une semaine du spectacle, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus et qu'elle m'a expliqué une histoire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais par la grâce de Dieu, le spectacle a eu lieu. On a rempli la salle. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de ses nouvelles. C'est quelqu'un que je respecte. C'est une grande dame de la culture ivoirienne qui fait du bon boulot, qui vend bien notre drapeau à l'extérieur. Alhamdoulilah. Mais tu sais, je ne manquerai jamais de respect à ta maman. Tu sais pourquoi? Parce que je respecte ma maman. Et je respecte toutes les mamans qui me suivent. Toutes les mamans qui m'aiment là. Je les respecte tellement que je ne me vois pas en train de manquer de respect à ta maman. Même si tu m'en donnes l'occasion. Parce que en m'insultant, disant que, en sous-entendant dans ta vidéo que je couche, c'est-à-dire que j'ai des rapports sexuels avec mes chiens, tu insultes mes enfants. Tu insultes mon mari. Tu m'insultes moi-même en tant que mère. Et puis tu insultes ma maman. Parce que ma maman ne peut pas prendre son temps pour me mettre au monde. Et puis moi, je vais venir coucher avec chien. C'est un faux là. C'est une injure. Mais j'ai vu des gens qui riaient, qui t'applaudissaient. Tu sais, on se définit par les personnes qui nous suivent. J'ai pris le temps de parcourir un peu les profils de ces personnes qui riaient. Je regardais déjà même leur pseudo. Ça en laisse à désirer. On peut tout de suite deviner un peu le style. Moi, je ne suis pas suivie par ce genre de personnes. Je suis suivie par des personnes assez matures et intelligentes. Est-ce que Monsieur Nyakebe Gbolofungoma, ma ba pofuna na minemiasu. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un an de plus. J'ai l'habitude de suivre les Ivoiriens. À l'époque, je suivais Didi Arafat, que j'aime tant, que je continue à l'aimer. Même qu'il est mort. C'est un gars que j'admire, c'est un gars que j'apprécie. C'est pour ça que j'ai amené son style, sa manière de vivre, sa manière de faire les choses dans notre showbiz. Mais Dieu ne m'a pas donné son talent d'être artiste, d'être chanteur. Mais son comportement, tout ce qu'il fait dans leur showbiz pour donner un mouvement au showbiz ivoirien, j'ai suivi tout, j'ai apporté celle-ci pour l'appliquer. Bon, mais avec le temps, quand nous grandissons, il y a des choses qu'on faisait avant. Il y a des choses qu'on appliquait avant dans notre vie. Et que quand toi-même tu grandis,
quand toi-même tu évolues, prenons l'exemple. Quand tu fais la coupe primaire, après, les camarades, tes amis du coup primaire sont différents à tes amis du collège. Donc, quand Dieu nous donne la vie à chaque jour, que nous grandissons, on devait chercher à progresser, on devait chercher à faire du bien, on devait chercher à épargner ce qui nous bloque la route. C'est à cause de ça. En fait, j'ai pas peur de ceux qui me critiquent. J'ai pas peur de des individus qui commentent, des individus qui sont là à m'insulter, des individus que je n'ai jamais vus, que je ne verrai jamais dans ma vie, qui sont là à m'insulter et tout. Je ne me vois pas en train de manquer de respect à ta maman, même si tu m'en donnes l'occasion.
Parce que en m'insultant, disant que, en sous-entendant dans ta vidéo que je couche, c'est-à-dire que j'ai des rapports sexuels avec mes chiens. Parce que le cancer runamissant. Un bon arafat que toi. Vois que m'le chien va le bon arafat. M'le chien. Et garo le am le tout. Et n'y a ben nous comme y en a. A clashé à me, à zoamé. À soi, mais rebe n'y a so va. Et limité na m'y a ba amitié. Et limité na m'y a ben amitié que la progresse mi le m'y a ben vime. On se croit star. On se croit. Ben y a mon va comme y en. Nous n'aurons pas. Avoir la visibilité, le nom qui va nous suivre. Et que Miyabe côte là, nous dit. Mais dans notre vie réelle, elle est plein de Miyanti. Dans notre vie réelle, elle est Didi, Miyabe, comment l'appelle-t-on? Elle est Didi, Miyabe, chance, Miyabe, accueillir, alors Miyabe, atteindre, Miyabe, objectif, elle est Didi, Miyabe, chance, Miyabe, atteindre, Miyabe, objectif, Miyabe, objectif. Il y a un objectif, le mien va être bien. Première des choses que Amessia me dit, le monde entier est le niga. Donc, et garde le cola, et garde le voro cola, et molle, et mobouboro le cola, tu es la quoi. Il faut avoir des bonnes relations, il faut avoir des bons amis, il faut avoir des gens qui seront capables de t'apporter un plus dans ta vie. Et il y a des choses que nous faisons qui est amortie miabe chance ne miate doha kudo miate no kame kudo miabe et amegan allo amoko la tekperu miacha, ce qui fait que be et abeton gbena nyane zirka kwa e wona radio allo maten on et si ya en habitude non on na en habitude non na berko la tite pa o la tete bezer ko c'est avec le temps yo la gbe. Prenons l'exemple, ceux qui fument la cigarette, on sait bien que la cigarette n'est pas bon pour la santé. Oglone, voilà, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui veulent laisser, mais c'est difficile pour eux parce qu'ils ont déjà commencé. Mais c'est comment? Donc j'ai eu le temps parce que j'aime tellement la Côte d'Ivoire et j'adore tout ce que la Côte d'Ivoire fait. La preuve est que Arafat Ben Kongposova, le Meva, on a Koto, Buzz, Clash, et nous, Koto. Yo, Buzz, Clash, c'est moi qui ai apporté le Buzz et Clash au Togo. Buzz. Elle a été Nanilo, Amero l'a été Noëlo. Buzz, m'do visibilité, non. So enye va buzz enye le buzz va togo yen ku gare mechan yen baba le agbo gare mochan il faut que me reconnaître wa be buzz a Raoul Blaise va togo. On avance. Bon Amessia me domine le Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux faire pour animer ma page sans que je clash, sans que je parle de quelqu'un d'autre, sans que je m'intéresse à la vie privée des gens? Qu'est-ce que je peux faire à part de clasher, à part de créer buzz, à part de vouloir être en palabre avec mes conjoints? Qu'est-ce que je peux faire plus pour animer ma page sans des clashs, sans des insultes, sans des buzz? Vous allez voir, j'ai parcouru sur la page des blogueurs ivoiriens. J'ai vu que MLOS n'est pas dans les clashs. Mais elle buzz. Elle fait du buzz. Apportant ses habits de marque. Avec les achats de Hope. Vous allez remarquer. En certain temps. Que à chaque fois
Quand je poste un truc, je dis j'ai acheté tant, 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 j'ai acheté tant. Que moi-même, je me donne la valeur. Mais les Togolais, ils continuent toujours à m'insulter, à me traiter de n'importe. Mais j'arrive toujours à le consommer, j'arrive toujours à le digérer. J'arrive toujours à le digérer. M'bavek pona Ivi Dero. Et m'pone. Mila remakebe. Et le moment arrivé, n'yemba wana clash à l'époque. Même si c'est deux personnes, même si c'est cinq personnes qui me regardent, j'ai ma vie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais je n'ai pas l'habitude de me donner la joie de l'anniversaire. Mais on me le dit anniversaire, à poster photo avec des photos avec. Non, c'est pas ça. Je l'ai appelé délire. Donc, à mon côté, nous me le disons maintenant, on a mis. Nous les découvrons, ami. Parce que, vous savez, nous deux jintolo. Et d'anniversaire, n'y a pas quoi. Je dis, mais ma toute vérité, ami. Nous deux jintolo. Nous deux jintolo. Vous savez pourquoi? Tu vas vouloir te changer. Tu vas vouloir d'être bon. Parce que dans notre domaine là, il faut que tu clashes, il faut que tu exposes la vie d'un individu, la vie de quelqu'un en jouant des vocaux avant que nombre de personnes viennent te regarder. Et à chaque fois, c'est ce qui nous motive à être les clasheurs. C'est ce qui nous motive à planifier des buzz. Parce que c'est ça qui amène une majorité à nous suivre. Mais on dit chaque chose, il y a l'avantage et il y a l'inconvénient. Notre vie ne se limite pas sur les réseaux sociaux. Nous avons une autre vie. Vous voyez, il y a des gens qui vont venir. Au leur direct à mes 20 poules maintenant, à mes 30 poules, à mes 30 pour te démoraliser, pour continuer à faire des clashs. Parce que je vais vous dire, si je décide d'être à la hauteur, je veux toujours être à la hauteur. Je veux toujours être à l'actualité pour créer du buzz. Je l'ai ce don. Vouloir clasher des gens, les gens vont venir, mais après qu'on ferme la caméra, est-ce que vous vous posez la question? Donc je vais demander, merci Gérard Benoît, je demande, aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai pas l'habitude de bloquer les gens, mais je vais continuer à bloquer des gens. Parce que vous savez quoi? Je ne suis plus dans les clashs. Je ne suis plus dans les buzz. Le buzz, moi-même, je peux créer mon propre buzz. Parlant de moi, pas parler de quelqu'un. Voilà. Si quiconque vient encore ici, Raoul, oh, une minute, tu as deux vues, trois minutes, tu as, parce que c'est ces gens de commentaires qui nous poussent à rentrer dans les erreurs. Laissez-moi si c'est cinq personnes, laissez-moi si c'est dix personnes, ne venez pas m'exciter, ne venez pas me provoquer pour pouvoir parler de la vie de quelqu'un d'autre, faire des clashs, faire des buzz. Écoutez cette dame, parce que je veux faire comme les MLOS. Je vais faire comme les MLOS. J'ai déjà mon entreprise. Et
je voyage dans le pays où mon passeport me permet, me donne l'accès de l'aide. Je vais faire comme elle. Je vais la suivre. Et Ivy Dero, qui ne clash pas, FRIO, Jean, c'est ce genre de personne. Je voulais ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, ceux qui m'adorent, je voulais que prenez le temps, ouvrez vos oreilles, écoutez la vidéo, les audios que je vais vous faire jouer. Écoutez, et j'ai beaucoup tiré de leçons dans ces propos. J'ai beaucoup tiré des leçons dans ces propos. Ndibe mano, cadre wame, Fifi. Ndibe mano, cadre wame. Écoutons. Tu insultes mes enfants. Tu insultes mon mari. Tu m'insultes moi-même en tant que mère. Et puis tu insultes ma maman. Parce que ma maman ne peut pas prendre son temps pour me mettre au monde. Et puis moi, je vais venir coucher avec chien. Parce que ça fout là. C'est une injure. Mais j'ai vu des gens qui riaient, qui t'applaudissaient. Tu sais, on se défie. Écoutez, prenez. Restez attentivement. Écoutez cette partie. Qu'est-ce que j'ai dit? Restez attentivement, ouvrez vos oreilles et écoutez cette partie. Écoutez cette partie. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Écoutez cette partie, s'il vous plaît. Ni par les personnes qui nous suivent. J'ai pris le temps de parcourir un peu les profils de ces personnes qui riaient. Je regardais déjà même leur pseudo. Ça en laisse à désirer. On peut tout de suite deviner un peu le style. Moi, je ne suis pas suivi par ce genre de personnes. Vous savez, vous comprenez? Mille c'est comme ça. Amoko, mille quoi? Fifi, il y a mille d'autres différences de personnes que là nous suivons bien. Que qu'en soit le nombre, l'effectif. Moi, je veux une meilleure vie pour moi. Vous comprenez? Écoutez. Je suis suivi par des personnes assez matures et intelligentes pour savoir. Il y a des gens assez matures. Écoutez, la partie là encore, ça me. La partie là. Désiré. La partie là. C'est une injure. Mais j'ai vu des gens qui riaient, qui t'applaudissaient. Tu sais, on se définit par les personnes qui nous suivent. J'ai pris le temps de parcourir un peu les profils de ces personnes qui riaient. Je regardais déjà même leur pseudo. Ça en laisse à désirer. On peut tout de suite deviner un peu le style. Moi, je ne suis pas suivi par ce genre de personnes. Je suis suivi par des personnes assez matures et intelligentes pour savoir dissocier le bien du mal. Bété, je suis avicamé, mais j'ai moulé des femmes bété. Inventer des saletés sur la vie de quelqu'un. Quand on parle, Ivy Dero se prend pour Dieu. Tu as porté plainte. Tu as l'aide la population. La population n'est pas plus forte que la loi. Il te dit ça aujourd'hui. Je viens. Tu as fait un poste que oui. Tu as envoyé des vieux pères pour venir me demander pardon pour me dire d'arrêter. Tu es un menteur. C'est moi, je te dis ça. Parce que je t'ordonne là maintenant. Silence, renonce. De me faire sortir tous les messages, slide, je t'aime. De me faire sortir tous les messages de ces vieux pères qui t'ont appelé en mon nom ou qui t'ont écrit en mon nom. Peut-être c'est Papa Touya, sinon je n'ai pas envoyé quelqu'un. Moi, Ivy Dero, Niaba Ivana Touya, j'assume tout ce que je dis, je fais. J'ai trop la grande gueule pour envoyer des gens pour demander pardon à mon semblable si je n'ai pas raison. La personne à qui je vais demander pardon, ma maman, mon papa perd son âme, mon mari, mes beaux-parents. Dieu, je ne le mets pas dedans parce que c'est normal.
et puis aux personnes à qui j'ai manqué. Et même si la personne est plus petite que moi, j'aime la personne pour demander pardon. Mais toi, j'aime te demander pardon par rapport à quoi? Moi que tu as longuement insulté pendant plusieurs années, je t'ai dit que un blogueur qui ne sait pas chanter. Donc tu ne sais pas chanter. Parce que j'ai dit un blogueur, je n'ai pas dit ton nom, hein. Donc tu ne sais pas chanter. Donc tu sais que tu ne sais pas chanter. Bon, tu sais que tu ne sais pas chanter, tu parles de Bamba Nisara pourquoi? Si tu sais que tu ne sais pas chanter là. Tu parles de Bamba Nisara pourquoi? Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là parce que je pense qu'elle peut se défendre seule. Venons à la plainte. On m'a envoyé une capture d'écran hier pour dire que. Tu dis que ma grande sœur Estelle à moi. Gros bisous. Tu as envoyé une capture d'écran pour dire que j'aurais porté plainte contre toi et que toi tu es brique. Moi je suis caillou et que toi tu caches tes relations et que c'est patati, que c'est patata. Tu sais? Si je veux utiliser mes relations, si je voulais utiliser mes relations, je n'allais pas quitter la Côte d'Ivoire. Je te dis ça. Parce que nous tous, on sait comment tu as quitté la Côte d'Ivoire. Je sais qui a fait, et puis tu as pu sortir du territoire. Où tu dormais là? Où tu dormais là? J'étais directrice marketing et communication là-bas. Je sais comment tu faisais pour payer pour dormir là-bas. Pourquoi me fais parler? Pourquoi me fais parler? Parce que je respecte ces grands frères-là, mon père me fait parler. Tu comprends? Voilà. Relation dont tu parles. Je ne sais pas quelle relation que tu as qui est au-dessus de pour moi. Mais je connais la loi. Et j'ai décidé de ne plus me laisser diffamer parce que je suis dans un pays de droit. Inventer des saletés sur la vie de quelqu'un. Quand on parle, Yves Deroux se prend pour Dieu. Tu as porté plainte. Tu alertes la population. La population n'est pas plus forte que la loi. Je te dis ça aujourd'hui. Je viens. Tu es un pays de droit. J'ai décidé de ne plus laisser mon image être écorchée. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner naissance à un deuxième enfant. Et je souhaite que... Je demande mon respect. Je ne suis pas votre jouet. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ton égal. Toi et moi, on n'a pas. On ne peut même pas. C'est Facebook qui ne trie pas l'homme. Sinon, si Facebook trie l'homme, toi et moi. On vous respecte là. On respecte vos parents. Respectez enfants des gens aussi. Moi aussi, ma maman, là, c'est l'homme. C'est vrai, elle n'est pas sur Facebook. Quand on m'insulte, ça lui fait mal. Tout ce qu'elle a, c'est son chapelet. Pour prier pour moi. Que Dieu me parle et que le mauvais œil quitte mon chemin. C'est la prière de ma maman. Quand tu fais là, on ne voit pas pour toi. Quand vous faites là, on ne voit pas pour vous. Mais c'est pour moi là qui résonne fort. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Ton humour a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Adamant, tu dis là. Adamant, quand tu parles, tu dis Adamant. C'est qui t'a montré? Adamant. Tu as appris ça où? Tu as fait un post hier soir disant que j'ai porté plainte contre toi. Et que je vais dans les inbox des gens pour leur dire que j'ai porté plainte contre toi. Tu sais, je n'aime pas le mensonge. C'est pour ça que je suis seul. Je ne marche pas avec quelqu'un. Vous avez menti sur moi. Les gens me disent non, faut pas répondre, faut pas parler, faut pas dire, je laisse. Et tellement je laisse, le mensonge s'en va avec mon nom et puis ça me salit. Laisse, Dieu va faire ton palabre. Attends. J'ai contacté deux personnes te concernant. L'année dernière, j'ai contacté Emma Louès. Je dis à Emma Louès, elle peut montrer le message. Il faut dire à ton bulldog là. De me laisser tranquille. Je ne veux pas palabre. Elle a pris pour rigoler, elle m'a dit, mamie, laisse. Je vais gérer ça. Avant-hier ici, peut-être ça peut faire 3 semaines quand tu as fait ta vidéo là. 2 semaines ou bien 3 semaines. J'ai contacté Mola.
Les messages sont là. Et grand frère, tu es le producteur de l'enfant. Il faut lui dire. Je peux dire trois personnes même. Il dit non. Il me présente ses excuses d'abord. De me calmer. Je dis parce que je vais porter plainte. Il dit calme-toi, ne porte pas plainte. Laisse-moi parler avec lui. Je te reviens. Il va te présenter des excuses parce que je ne supporte pas ça. Est-ce que Moula m'a dit? Il dit d'accord, grand frère, j'attends. Avant ça, l'année dernière, quand j'arrive à Paris, tout le monde sait que mon ami, c'est Abou Killer, qui est ton manager aujourd'hui. Je ne parle plus avec Abou Killer à cause de toi. Oui, j'assume. Parce que je ne peux pas être ami à toi. Je ne peux pas être ta meilleure amie. Et puis l'artiste que tu manages va m'insulter tous les jours. Et puis tu ne peux pas le recadrer. J'ai envoyé un message à Abou. Une fois, deux fois, trois fois, j'ai dit à Abou, notre amitié va s'arrêter là. Parce que certainement, c'est quand Abou te donne, moi je ne peux pas te donner. Donc on se laisse ici. Ça y est dans mon téléphone. Vous savez, que ce soit Abou qui l'a, que ce soit Emma Louest, que ce soit Mouna qui est un grand frère que j'aime bien. Dans la vie, quand un enfant manque de respect à son oncle devant son papa, c'est qu'avant que son oncle n'arrive là, il a eu réunion avec son papa. Ils ont parlé de ça. C'est pour ça que l'enfant se permet de manquer de respect à son oncle devant son papa. Ça, c'est un pauvre pété qui dit, c'est vrai, je ne sais pas dire ça en pété. Je te donne jusqu'à demain pour faire sortir la plainte que j'ai déposée pour toi. Je veux voir ça. Vous êtes tellement des menteurs sur Internet. Hier, un jeune est venu écrire sur une de mes publications. Ah, Poutou dit que tu couches avec tes chiens. Explique-nous comment tu fais. Et je lui ai dit, dis à Poutou que sa plainte l'attend à Abidjan. Tu as couru, tu es allé faire vidéo, tu es allé écrire. Lui, tu dis que tu as porté plainte contre moi. Tu te promènes dans les inbox pour montrer ta plainte. Je veux voir la plainte là. La plainte là, je veux voir ça. Avant d'aller porter plainte. Parce que je n'avais pas encore porté plainte. Parce que je respecte Moula. Moula m'a dit de l'attendre. C'est Moula, j'attends. Mais comme tu as déjà la plainte, je veux voir ça. Parce que je vais porter plainte même. Et puis je m'en fous de celui qui va venir dire que ni manière. Je m'en fous. Je m'en fous. Et j'ai le droit. C'est mon droit. Tu es pressé de mettre ça sur la toile. Vous dites que oui, quand j'ai venu là, je dis que je t'attends. Mais avant ça, là, j'ai besoin de la plainte que tu dis tu as vue. Je veux ça. C'est aujourd'hui tes gens qui te suivent là vont savoir que tu es un menteur. Un farfelu de bas étage. Je veux voir la plainte là. Je veux voir la plainte là. Parce que vous mentez toujours sur moi. Je ne parle pas, je laisse. Ça reste sur moi, ça me salit. Aujourd'hui là, Dieu est trop fatigué. Moi, j'ai chargé mon palabre. Je veux voir la plainte. La plainte que tu as vue, je veux voir ça. Et j'ai dit à Moula, si c'est sur Emma Louest ou bien c'est sur lui, tu comptes, je vais les affronter. Tu es un pays de droit. Et dans ce pays, parce que je suis fatigué de vous. Vous voulez que je me tire une balle dans la tête? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous connaissez mes problèmes? Vous pensez que moi, mes problèmes, c'est limite à Facebook? Vous connaissez ma vie? Merde à la fin. Ça veut dire quoi? Je me suis levé pour venir donner la joie aux gens. Ces problèmes j'ai eu. Ces problèmes j'ai eu. Vous faites chier. Ça veut dire quoi? Je suis votre enfant? Ou bien je suis votre jouet? Et celui-là va me prendre ici, va me mettre là. L'autre va me prendre, il va me mettre comme si. Il y a une certaine fille qui se déshabille, son corps, on dirait vers des terres là, qui prend mon nom depuis plus d'un an à m'insulter sur les réseaux sociaux. Moi, elle est venue lui répondre. Elle m'insulte jusqu'à. Elle m'insulte jusqu'à. Je ne sais pas comment je vais dire.
Personne ne me défend. Personne ne parle. Mais demain, quand je vais porter plainte pour diffamation et injure publique, on va dire qu'Yves Vidéo pense que la Côte d'Ivoire est dans sa poche, comme elle est l'enfant du coup présidentiel. Donc quand on est enfant du coup présidentiel, on accepte qu'on l'insulte. Voici l'enfant du président qui fait être joli qui est là-bas. Là. Pourquoi vous ne l'insultez pas? Insultez-le. Ça va s'arrêter sur moi. Ta maman a porté plainte contre des gens qui t'ont insulté, non? On l'a applaudi, non? Je crois qu'il y a des gens qui ont leur plainte ici. Il y a des blogueurs en France qui ont leur plainte ici. On applaudit, non? Moi, à mon tour, je suis mauvaise. Je m'en fous. Je serai mauvaise. Je serai mauvaise. Je m'en fous de vous. Je vous dis ça aujourd'hui. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Ce que vous voulez que je fasse là, je fais ça aujourd'hui. Et puis je vous attends. Je vous attends. Et j'attends ta plainte que tu dis, j'ai porté plainte contre toi là. J'attends la plainte là, je veux voir ça. Il faut poster la plainte là. Tu dis tu as reçu ça. Ta camarade a fait une vidéo pour dire que j'ai envoyé ça à des frères, des faux profils. Je veux voir la plainte là. Je veux voir ça. Ultimatum. Tu as jusqu'à 16h pour montrer la plainte aujourd'hui. 16h même est trop loin. Il est quelle heure? Il est midi 39. À 13h, tu dois mettre la plainte là sur Internet. Plainte qui a mon nom et ma signature. Si tu n'as pas mis ça, tu vas voir. Maintenant, les gens qui sont derrière toi, que tu dis tu es prêtre, c'est eux que je veux voir. Son autorité, son quoi, je veux les voir. Parce que moi, je suis d'un pays de droit. Si eux, on peut diffamer leurs enfants, dis que leurs enfants couchent avec leurs chiens et puis ils vont accepter, je les attends. Je les attends. Dans le pays de la Côte d'Ivoire, là, je les attends. Les personnalités qui sont derrière toi, et puis tu m'insultes tous les jours, là. Chaque jour, tu fais vidéo, m'insulter, là. Et puis, petit blogueur, tu ne sais pas chanter, j'ai dit, c'est ça, tu es venu dire que je sors, hein, mes chiens, là. J'attends les personnalités qui sont derrière toi, je veux les voir. Et puis, vous me dites, si eux, ils vont accepter qu'on dise ça à leur enfant, ou bien on dit ça à leur femme. Ma soeur me disait matin qu'il y a une qui a dit, celle qui se déshabille là, qu'elle, elle attend la plainte là, son frère va venir à Abidjan, elle veut voir ça, elle va faire sortir mon papa, que c'est mon petit gars qui m'a enceinté. Ça veut dire que les gens qui vous suivent, c'est pas vous, c'est les gens qui vous suivent là qui sont bêtes. On va encore écouter ici. Regardez Miabeto, Miabassé. Abidjan, elle veut voir ça, elle va faire sortir mon papa, que c'est mon petit gars qui m'a enceinté. Ça veut dire que les gens qui vous suivent, c'est pas vous, c'est les gens qui vous suivent là qui sont bêtes. C'est pas vous qui avez fait vidéo. Toi, tu n'as pas fait vidéo ici pour dire que je suis 4e femme. Donc j'ai trompé mon mari et mon petit gars, et puis c'est mon petit gars qui m'a enceinté. Donc mon mari là, il s'est pas fait enfant. Lui qui m'a marié à la mosquée là. Il ne s'est pas fait enfant, et puis je suis allé faire enfant au dehors. Vous mentez, vous mensongez, vous rattrapez. Et il y a des gens bêtes pour vous croire. Moi, tu es ma chérie, tu fais, tu es dans les trucs, tu es dans les commentaires, moi je te laisse. Mais tu es bête, tu vas me donner des enfants bêtes. Regardez les commentaires. Hein, réécoutez ici. Écoutez ici. Écoutez ici. Écoutez. Hé, hey, Ivesco, écoutez, réécoutez. On va encore réécouter un peu. Donc, j'ai trompé mon mari et mon petit gars. Et puis, c'est mon petit gars qui m'a enceinté. Donc, mon mari, là, il ne s'est pas fait enfant. Lui qui m'a marié à la mosquée, là. Il ne s'est pas fait enfant. Et puis, je suis allé faire enfant au dehors. Vous mentez, vous mensongez, vous rattrapez. Et il y a des gens bêtes pour vous croire. Moi, tu es ma chérie, tu fais, tu es dans les trucs, tu es dans les commentaires, moi, je te laisse. Mais tu es bête, tu vas me donner des enfants bêtes. Regarde. Les commentaires, là, si vous... Eh oui. Ah, monsieur... Benya, avec ses bébés,
Fauzané. Fauzan. 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 Fauzan, Gouzo, Mich de Dieu. Bien, bien, bien. Il s'est pas fait enfant et puis je suis allé faire enfant au dehors. Vous mentez, vous mensongez, vous rattrapez. Et il y a des gens bêtes pour vous croire. Moi, tu es ma chérie, tu fais, tu es dans les trucs, tu es dans les commentaires quand je te laisse faire, tu es bête, tu vas me donner des enfants bêtes. Regardez les commentaires là, si vous voyez vos copines dedans, ou bien vos femmes là, laissez-les parce qu'elles sont bêtes. Elles vont rien apporter à vos enfants. C'est moi, j'ai dit ça. Et j'assume. J'assume aujourd'hui, j'assume demain. Maintenant, si c'est mon affaire d'Ato là, qui fait que les gens sont en train de vous payer en France là-bas pour faire ça là, j'ai loupé. Ato aujourd'hui, Ato demain, Ato après demain, et sa femme aujourd'hui, sa femme après demain, sa femme demain, et pour l'éternité. Parce que moi, quand je suis derrière quelqu'un qui a la mort. Je suis Ato pignon. Votre hypocrisie, vous êtes dans vous. C'est pas vous qui avez dit que pourquoi moi je force sur la première dame. C'est pas vous qui courez maintenant pour aller faire photo à la première dame là. Ou bien c'est quelle première dame? C'est pas même première dame là. La blanche jolie là, c'est pas elle. Première dame que j'ai pris pour mettre sur ma tête là. C'est aujourd'hui vous la luttez et moi non. Vous la luttez et moi aujourd'hui. Donc là-bas et tout. Donc là-bas et tout. Autorité que vous crachez sur eux, que je prenais, je les prenais pour faire photo là. Vous courez pour faire photo avec eux non. Donc là-bas est tout. Donc aide est tout. Aide est tout. Et puis quand je suis allé voter là, vous avez commencé à m'accuser d'être lesbienne. Vous m'avez insulté de tout là. C'est tout. Aide n'est pas tout. Quittez là-bas. Laissez mes parents. Laissez-les. Je n'ai pas encore fini de les bouffer. Quand j'ai fini de bouffer là, vous allez venir prendre photo avec eux. Donc ceci étant. Après cette vidéo-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez parce que c'est votre habitude, je suis habituée. J'attends la plainte là. La plainte là, j'attends ça. J'attends ça. Et puis, vu que tu as dit qu'il y a mes nounous qui étaient ici, qui sont partis, qui t'ont donné des informations comme quoi je couche avec mes chiens, j'attends les vidéos. J'attends les preuves de ça. Tu dis que je t'ai appelé pour te dire de clasher des gens. J'attends. Tout. Sinon, on va se laisser ici. On va se laisser ici. Maintenant, les autorités qui sont derrière toi, là. Les autorités avant me dit si eux, on peut diffamer leurs femmes et puis leurs enfants. J'ai dit, tu es tombé sur femme. Vous insultez les femmes des gens sur Internet là. Mais moi, là, on ne m'insulte pas. Hein. J'ai été dans ce pays parce que je suis fatiguée de vous. Vous voulez que je me tire une balle dans la tête? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous connaissez mes problèmes? Vous pensez que moi, mes problèmes se limitent à Facebook? Vous connaissez ma vie? Merde à la fin. Ça veut dire quoi? Je me suis levé pour venir donner la joie aux gens là. Ces problèmes j'ai eu. Ces problèmes j'ai eu. Vous faites chier. Ça veut dire quoi? Je suis votre enfant? Ou bien je suis votre jouet? Et celui-là va me prendre ici, va me mettre là. L'autre va me prendre, il va me mettre comme si. Il y a une certaine fille qui se déshabille son corps, dirait vers des terres là. Qui prend mon nom depuis plus d'un an. Quel est dans ce pays? Ah bah oui. Ok. Il y a passé. Il y a passé une journée. Je vous aime. Je vous apprécie, je vous adore. C'est toujours votre serviteur Raoul Leblanc, l'homme qui donne la joie à toute une nation, l'homme qui fait peur aux nations. Attends. Bonne chance au clasheur.